3000 mètres de dénivelé positif à moto, c'est super dur de se rendre compte ce que ça représente en 5 jours. Je sais pas si je devrais partir maintenant ou si j'ai le temps. Non mais en fait, j'y ai un peu réfléchi avant. Je vais te montrer, j'ai fait un truc de fou, un calcul hyper savant. T'es prêt? J'ai créé un algorithme que le monde entier va m'envier. J'ai fait un calcul de rentabilité d'école. Je te montre. Là, le nombre de kilomètres d'école, le dénivelé, d'en bas en haut, le temps pour les réaliser. Et puis après, je les ai classés par rentabilité. J'en ai 15. Tu te dis que là, c'est joué d'avance, que je vais y arriver. Sauf qu'il y a un truc qu'il faut que je te dise, c'est que au bac, en maths, j'ai eu 3. Et 2 années de suite, hein, j'ai redoublé, j'ai passé 2 fois le bac. Sans compter non plus que, ça me dit toujours pas à quelle heure il faut que je parte. Et... top chrono, c'est parti. Zen, détendu du saucisson, j'ai laissé la nuit venir à moi, jusqu'au moment où j'ai refait mes calculs. Finalement, en y réfléchissant bien, ce challenge de 100 000 mètres de dénivelé positif cumulé en 5 jours, ça fait quand même 833 mètres par heure en roulant H24. Je suis au Parpaillon, il paraît que ça grimpe plutôt pas mal. Faire un petit tour et puis après je retourne me coucher quand même. Pas envie de me mettre en danger, du coup on va tabler sur 12 heures de roulage, donc 1666 mètres par heure. C'est dommage. Si tu la reconnais, n'hésite pas à la réclamer, je peux te la rendre. FS 84 CC. Parpaillon, ça a l'air d'être dur hein, quand même. Mais bon, cela dit, en matière de plaque arrachée, je m'y connais un petit peu. Bon, j'ai un peu de route et de l'altitude à prendre. 1771 mètres, puis je suis parti, c'est pas beaucoup non plus. Hein. On y va, hein, parce qu'on n'est pas d'ici. Hein. Problème qui fait nuit. Et comme dans la vie, t'es obligé de descendre autant que tu montes. Bah oui, c'est comme ça, seul le dernier jour de ta vie changera cet ordre. Ça fait 1666 mètres à gravir chaque demi-heure. Ce qui est déjà nettement plus sport. Du coup, dans la vallée de l'Ubaye, tout le monde m'avait parlé du col du Parpaillon. Histoire de prendre un peu d'avance, de nuit, j'y suis allé sans savoir qu'il s'agissait d'un col off-road. On m'a beaucoup parlé du Parpaillon, et bah franchement, même si je vois rien, ça vaut le détour. Ça m'a l'air juste magnifique. Quoi. Ah, il y a un tunnel. Tunnel, night tunnel. Bon. On est à 2610 mètres, on est au tunnel du Parpaillon. Et j'ai pour l'instant accumulé 1733 mètres d'ascension totale. C'est pas magique, non? Non, en fait, non, c'est pas magique, c'est pas rentable du tout. Donc, il va falloir que je trouve d'autres solutions hein, pour faire 100 000 mètres en 5 jours. Cela dit, c'est très beau. 2 jours, sans doute. Et alors, regarde. Road Experience, Moto Guzzi. L'endroit est complètement fou. L'endroit est dingue! Je sais pas combien de temps il dure le tunnel. Ah par contre, c'est de la ramasse, voilà ça. Donc ouais, j'ai juste essayé de pas m'en mettre une. Parce qu'avec la vente 17, ça glisse, mais que ça rase. Et t'es dans la montagne. Wouah! Endroit est dingue de nuit. Par contre, j'ai posé mes deux pieds pour pas perdre l'avant. Waouh, regarde! Oh, cette sensation. Oh, c'est un peu humide. Hein. C'est fou cet endroit. C'est complètement fou. Minuit et demi, je suis rentré au bercail. Alors, nous en sommes à 3h15 de roulage pour 3168 mètres de dénivelé positif. Va falloir choisir plus efficace demain. Parpaillon, c'est beau, mais c'est pas bon. Du coup, plutôt que de dormir au chaud dans ma chambre, j'ai choisi l'ascenseur. 5 étages, 2,70 m par étage.
1 minute l'aller-retour, 810 mètres par heure, c'était toujours 4000 mètres de gagné au cours de cette nuit réparatrice. Quoi, c'est triché ? D'abord, c'est mon challenge, avec mes règles. Le lendemain. C'est marrant cette sale manie d'emmener les motos dans des chemins en tout terrain, je peux pas m'en empêcher. Mais c'est le faire aussi. L'heure de vérité avait sonné. Le col de la Bonnette m'attendait. ...1589 mètres de dénivelé, 22 km d'ascension réalisés en une petite demi-heure. Plusieurs allers-retours. Et c'était sûr, ça allait claquer au compteur. J'en ai profité pour goûter à l'excellence du châssis de la F900XR. Position de conduite ultra-aérienne et dominatrice sur le poste de pilotage. Bulle relevable manuellement en roulant pour une protection du vent au top. Et surtout, surtout, un châssis très réussi. Freinage démoniaque, mais hyper dosable, train avant rivé au sol et suspension à la fois rigoureuse et confortable. Une sacrée alliée dans mon challenge. Yes ! Je suis redescendu de l'autre côté par le Camp des Fourches, puis Saint-Étienne de Tinée. Obsédé par les mètres gagnés, je ne prenais même pas le temps de refermer ma sacoche droite. C'est sûr que là, dans les sous-bois, avec les petites aiguilles de pin et trempées, je fais baisser la moyenne. Remarque, au-delà du challenge, c'est juste super beau. Étant également, et comme tu le sais, du genre très bien organisé, je me suis paumé, un peu, enfin une fois de plus quoi. Un tout petit problème, je sais absolument pas où je vais. Ça se peut que je remonte sur la Bonnette par l'off-road. Ça dit, il y a une bagnole là-haut, ça doit pas être très long. Là, ça va faire baisser un peu la moyenne. Hein. Je suis donc remonté sur la Bonnette pour redescendre à nouveau vers le col de la Lombarde, à la frontière de l'Italie. Moi, mon obsession, c'était de grimper, monter, m'élever, escalader, gravir, me hisser. Tandis que d'autres cherchaient tout simplement un endroit pour dormir. J'ai fait de mon mieux pour renseigner. Vous allez en Italie ? Oui. Ah. Je cherche un camping. Ah, là ? Bivouac, pas de soucis, hein, bivouac. Bivouac, quand la nuit commence, jusqu'au matin, pas de problème. Camping, non. Rester toute la journée, juste la nuit. Je ne pouvais pas perdre trop de temps, d'autant que sur le chemin du retour, il y avait embouteillage. Ça m'a pas aidé. Mais là, je vais pas y arriver si vous faites pas d'efforts, les filles. Une dernière ascension de la Bonnette et... 22h. Arrivé au Jungle Lodge de Barcelonnette, ma cabane dans les arbres, qui me permettait au passage d'engranger un petit bonus. Reste que le score n'était pas très glorieux. Je t'avoue qu'au petit matin, le constat était cruel. Bon, c'était pas le moment de se décourager non plus. Putain, mais dans quoi je me suis lancé ? Je suis au bout de ma life et je vais jamais y arriver. 13 000 mètres de gain d'altitude. Ce qui est un peu compliqué, c'est que on tourne en même temps et du coup ça me retarde énormément. Là t'as l'altitude. Là on peut coupler avec la vitesse. Ce que je vais t'annoncer, c'est plutôt assez normal. Les moments où je grimpe le plus, bah c'est les moments où je me traîne le plus quoi. Pourtant je fais des efforts. Regarde. Je dors dans une tente perchée à 4 mètres de haut, c'est toujours ça de gagner. Direction le col de la Cayolle, 1190 mètres de dénivelé, 50 km et 1h30 l'aller-retour.
Puis j'ai forcément basculé de l'autre côté, sur Saint-Martin-d'Entrône, 1291 mètres de dénivelé, 40 km. Une heure l'aller-retour, ne pas s'énerver, jouer sur la régularité. Et en ça, le moteur de la F900 XR est un bon allié. Reprise douce et onctueuse à bas régime, coup de loup jusqu'à 6000 tours, rien ne sert de brusquer ce moteur très efficace. Monté, descendu, remonté, redescendu, remonté, redescendu, sans jamais rien lâcher. Mais au matin du troisième jour, je ne pouvais que constater un cruel retard sur mon ascension. Du coup, j'ai pris le taureau par les cornes et suspendu le temps à une corde. Lolo, tu fais quoi ? Rien. Tu triches ? Heureusement, ce matin-là, Olivier Jean et Maïko sont venus à mon secours. Hop là ! Trop bon. Je suis pas motard. Vas-y, vite, attention au drone. On a fait monter le petit-déj et déplié les cartes d'état-major. En vrai connaisseur de la vallée de l'Ubaï, Olivier et Maïko m'ont guidé. Ouais. T'allais au plateau et tu montes ici à 2000. Maïko, avec sa truffe au vent, ce qu'il aime, c'est les petits chemins. Certes, on n'y roule pas vite, mais pour lui, c'est là que se trouvent les plus fortes pentes. Et il n'avait pas tort. Même si la redescente fut pour lui une sérieuse source de stress. C'est le patou. C'est le patou. Ah, il garde son... Et en plus, comme il y a Maïko, ça l'agace. Ah, il y en a un autre là-bas, un patou. Il y en a un peu plus haut. Ah mais il y en a encore un troisième. Ah ouais, ils sont tous là. Maïko, il avait un truc bien à lui pour éloigner l'ennemi. Il s'est mis à imiter le cri de l'aigle royal. On s'est pas laissé impressionner, mais on a aussi félicité leur maître. Double ration pour les patous, ce soir ils ont fait leur boulot. Ah, ils ont bien fait leur travail. Hein, ouais. Bon, sagement. Quand même, si vous stressez pas. Ah non, non, ça, non. Ça va, non, je pense que c'est plus le chien qui stressait. Ah oui. Maïko en voulait encore, alors on est monté sur un autre versant, sur la piste du Prat de Tuil. C'était magique, lumineux, coloré, et le pentu était bien raide, lui. C'est bizarre, hein, le compteur de dénivelé ne s'incrémentait pas tant que ça. Pourtant,
j'avais sincèrement l'impression qu'on prenait de la hauteur, que notre âme s'élevait sans fin. Tu vois le spot là? Ouais. Alors c'est un tout petit peu encaissé, mais ça fait une jolie... Il y en a qui vivent dans des endroits. Le verger là. Waouh. Pour moi, ça c'est le camp d'Indien ici. Tu vois, c'est, vraiment... c'est l'heure de la balade. Ouais. Ouais, tout à l'heure, on était à Famoras là. Et... On s'est fait courser gentiment par quatre patous. Non, ils sont restés... Oui, ils sont restés à distance, c'était pour marquer le terrain. C'était où? À Famoras. Je sais pas. En face. Okay. Pile en face. Okay. Pile en face. Vous habitez ici? Moi, je suis le berger des moutons. Et vous savez pas où est Famoras? Non, non. Ah bah, moi, je suis à la saison, quoi. Ah, d'accord. Combien de temps? 4 ans. D'accord. Ouais, je sais, je suis un peu con. Faut pas m'en vouloir, c'est naturel. Je me force pas. Et comme on disait tout à l'heure en rigolant, c'est devenu un Shibamoto. J'ai refait un petit bout de route avec Olivier et Maïko pour finalement filer vers le challenge qui allait sans doute me permettre et enfin de tutoyer les sommets, les étoiles, de m'approcher du Graal des 100 000 mètres. Je hais tout ça. Dormir suspendu à un portal edge sur une falaise de 200 mètres. Ne rien négliger, tout optimiser. Tu t'y connais en œuf? Bah, je te dis, ce nœud-là, c'est pas un nœud que je fais souvent. Pourquoi je fais tout ça? Scrat, l'écureuil volant, est descendu en premier afin d'installer mon lit. 27 mètres plus bas. Non, on retournera au camion, dès qu'elle sera en bas. Bien sûr, ouais, c'est ça. On en avait parlé. Ouais, tu vas rester sur la ligne de vie. Quelle drôle d'idée d'appeler ça une ligne de vie. Ah, bien, tu fais moi. Quand même ah là là. Ah oui, j'aime pas ça. Hein. C'est vrai? Et pourquoi tu le fais alors? C'est l'amour. Ah ouais, mais moi je l'aime pas. Toi, c'est l'aventure. Alors tu vas essayer de... Non, sérieux, tu fais que ça là? Ouais. Non mais là tu... Imagine, t'as une crise cardiaque. Moi? Ouais. Qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas. Mais non, mais... ça se bloque ou pas le nœud? Non, c'est pas un nœud auto-bloquant. Ah, effectivement. D'accord. Le truc que je fais, c'est que j'arrête de poser des questions alors. Oui. D'accord. Bon. Ah. Retiens-la. Alors, l'idée c'est que tu sens que tu es toujours bien pris dans le baudrier. Voilà. Okay. Vas-y, tiens, regarde-nous. Yes! I fucking hate tout ça. Oh, ça merde. J'ai eu tendance à vouloir aller par là. Putain. Super, j'adore. Pourquoi il y a des gens qui font ça? Comment ça peut être ta passion? T'as déjà dormi là-dessus, toi? Oui, mais sur un plus petit site. On était à 10... Vous étiez à 10 dessus? Ce qui est incroyable, c'est que les sangles, elles sont à peine tendues, quoi. Ah, oh, à ton aise. On va pas abuser non plus, quoi. Je suis content d'être avec toi parce que t'as l'air autant rassuré que moi. Donc je pense que tu vas pas faire le mouvement de trop ni rien. C'est bien. Super, j'adore. Vraiment, j'ai l'impression d'être né dessus, tu vois. Ça dure combien de temps une nuit? C'est beaucoup d'heures, non? C'est long. Pourquoi on est descendu si tôt? Et si t'as besoin d'y rentrer et tout, tu suffit de faire ça. Ma peur, ça loge dedans. Non, il est pas assez gros. C'est pas assez grand. À prendre mes marques jusqu'au moment où... Bon, Laurent, on
te laisse, hein. Bonne nuit. Tu restes pas? Non. Franchement, ça fait trop peur. Ça fait chuter. Puis bon courage, hein, parce que... Oula. T'as entendu le bruit que ça fait? Voilà quoi, on est suspendu à 200 mètres au-dessus du vide. En plus, c'est complètement con ce que je fais parce que les 200 mètres ils sont en dessous, je vais pas les remonter, donc ça me fait pas gagner tant que ça. Au petit matin de la meilleure nuit pas de ma vie, ouais, c'est là-dessus que j'ai dormi. Nous sommes à 1374 mètres, on va donc voir ce que cette expérience me permet de gagner en altitude, n'est-ce pas, en remontant. C'est idiot, ouais, je sais. Alors, ok. Alors, il faut que je passe par-dessus, hein. Attends. Oh, putain. Ouais, je fais un effort sur moi-même. Je te jure. Bah ouais, j'ai le vertige. Faut vraiment être un motard pour faire des trucs comme ça. Non, faut être un connard. Yes. Merci messieurs, c'est super gentil. On passe en dessous. Et hop, 27 mètres de gagné. Col d'Air Bouilly, 1370 mètres. C'est beau le Vercors, mais c'est pas super efficace sur le point du dénivelé. J'ai repris ma quête au gré des rencontres. Ça a failli rater le virage. J'ai raté le virage. T'as hésité entre les deux. J'ai raté le virage. Mais c'est bien parce que t'as pas choisi le poteau. J'ai pas compris. J'ai pas trop vite. Allez, profite. J'ai roulé, roulé, rentabilisé le moindre dénivelé. Mais je sentais bien que certains doutaient, ou n'étaient tout simplement pas impressionnés. La prochaine fois, vous faites encore un peu plus, hein? Vous faites quelques milliers de mètres, vous verrez. J'avais l'impression d'être un véritable zombie, d'avoir des visions. Midi. Il était l'heure de sortir un joker efficacité. Moi, je suis parti à 1646 mètres, c'est pas mal. 10 minutes pour monter, 10 minutes pour redescendre, c'est quoi ça, c'est un bon deal, c'est de la rentabilité, ça. Et tu vois, pendant ce temps-là, bah, je peux manger. Pas mal comme challenge aussi, les 24 heures du télésiège. Non, quand même un deuxième tour, pour être sûr. 1000 mètres, c'est toujours ça de gagner, tu vois. J'ai quitté le Vercors pour rejoindre l'Oisan et ses sublimes cols, du Lautaret, du Galibier. Le temps était véritablement en train de s'accélérer, mais j'avais toujours la foi. J'ai grimpé 10 fois le Galibier en recoupant par le tunnel. Quand on est en montagne, c'est chiant. Feu vert, 14h33. On va voir combien de temps je mets pour faire le tour. Une boucle de 69 mètres de dénivelé avalée en 2 minutes. 690 mètres en 20 minutes. Écoute bien, si tu démerdes bien, il est 39, en 2 minutes tu fais le tour. Et t'as feu vert à chaque fois. Bonjour. Il y en a combien? Beaucoup trop. C'est combien beaucoup trop? Beaucoup. Ben, je vais les compter, je vous dis. Alors 1, 2, 3. Le fait est qu'il y en avait beaucoup trop. Tous ces calculs étaient en train de me rendre fou. Je comptais, comptais et recomptais. Puis je suis parti sur Alos, un col hyper rentable.
6 minutes 10 pour 1008 mètres. Rentable celui-là. J'y retourne. C'est beau ? Allez, on se casse. Relève-toi mon fils, relève-toi. Relève-toi mon fils. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Mon fils, il va être tous les soirs quand je l'ai au téléphone. Il me demande si je t'ai. Est-ce que t'as croisé ton ami motard ? C'est vrai. Ah, tu pouvais pas rentrer dans la déception. Alors, un père peut pas échouer. C'est fait. Bon, c'est fait. C'est cool. Je peux mourir. Non, non, s'il te plaît. Non, non. Non, pas ça, pas ça. Allez, ciao. Merci. Ça m'a rassuré. J'étais pas le seul dingue sur cette planète. Ils sont fous tous. Dans un ultime run, j'ai tout donné. Dernier soir, force était de constater que j'avais échoué. Avec seulement 79 819 mètres. C'était pas les 100 000 voulus. Mais je te garantis que plusieurs fois j'ai plané, flotté, rêvé, survolé des paysages incroyables. J'ai rencontré Olivier, Jean-Baptiste, Laurie, des bergers qui eux sont perchés toute l'année. Alors au compteur de mes souvenirs, j'ai largement dépassé les 100 000. La BMW F900XR s'est juste montrée, elle, incroyable. Certes, la selle n'est pas des plus confortables, mais son châssis, son moteur, se sont montrés incroyablement efficaces, homogènes. Se faisant oublier quand c'était nécessaire et présent quand il fallait attaquer. Allez, je te laisse, parce que désormais je vise la stratosphère à 150 000 mètres d'altitude, histoire d'échapper définitivement à la gravité terrestre.